Je ne dirais pas que la dernière visite du président chinois est un tournant dans la relation bilatérale avec Moscou, c'est plutôt une nouvelle étape, peut-être même une amplification. Ce qui est intéressant, c'est qu'au cours de cette visite, la dimension financière a été mise sur le devant de la scène. La Chine a proposé, va financer à hauteur de 11 milliards des projets conjoints russo-chinois. Tout ça sera financé via les fonds souverains. Libellé, c'est intéressant, monnaie chinoise pour ne pas s'exposer à d'éventuelles sanctions américaines. La Chine n'a pas vocation à se substituer à l'Europe. L'Europe reste et restera sans doute le principal partenaire commercial de la Russie dans les années et les décennies à venir. Ceci dit, on note un certain rééquilibrage, en particulier dans les exportations d'hydrocarbures. La mise en service attendue pour la fin 2019 du gazoduc Force de la Sibérie va changer la donne. Ici à Moscou, on croit de moins en moins à la Grande Europe et de plus en plus à la Grande Eurasie, dont la Russie se voit finalement comme la pointe occidentale. Que pour la Russie, l'Europe s'est bloquée pour très longtemps, parce que le projet européen est un projet fédéral qui se fait, fédéral ou presque fédéral, qui se fait sans elle, et que l'Europe, contrairement à ce que beaucoup pensaient ici, n'a pas vocation à s'effondrer. Que les positions se sont rapprochées sur la Syrie, ce qui était déjà perceptible depuis quelques semaines. Il y a eu une avancée réelle sur une zone de sécurité, en particulier dans le sud de la Syrie, qui peut marquer le début d'une coopération concrète dans le domaine militaire et sécuritaire entre les deux pays, et donc avoir peut-être un effet d'entraînement sur d'autres dossiers. En soi, c'est positif. Que les deux hommes se soient vus, qu'il se passe des choses sur la Syrie. Il y a une volonté manifeste du président américain, il l'a dit, de faire bouger les choses, d'aller de l'avant. La question que se posent y compris Poutine et les Russes, c'est est-ce qu'à Washington, on laissera le président américain aller de l'avant sur la Russie? Ce n'est pas évident du tout, et on se souvient qu'il y a une quinzaine de jours, le Sénat a préparé un nouveau train de sanctions qui, pour l'instant, est en discussion à la Chambre des représentants, mais il est clair que si ce texte devait être adopté en l'état, cela conduirait à une nouvelle escalade d'ampleur et très durable entre les États-Unis et la Russie. Ce qui est indéniable, c'est qu'il y a une intensification des contacts politiques franco-russes depuis la visite de Vladimir Poutine à Versailles le 29 mai. Le ministre français des Affaires étrangères s'est rendu à Moscou le 20 juin. Son homologue Lavrov est allé à Paris le 6 juillet. Il y a eu une visite plus confidentielle, mais tout aussi importante sans doute, il y a une dizaine de jours, du conseiller diplomatique du président français à Moscou. Le président Macron a évoqué des avancées tangibles, dont acte. Évidemment, on parle de sujets très confidentiels, donc c'est difficile de savoir réellement où on en est. Ce que l'on suppose, c'est que c'est sur le dossier syrien que les choses avancent. Pourquoi? Parce que la situation elle-même en Syrie évolue, parce que la France, il faut le dire, a fait une sorte d'aggiornamento sur le dossier syrien en admettant que, à demi-mot, que sa politique antérieure n'avait plus cours et était une forme d'erreur. Pour ce qui est de l'Ukraine, c'est plus compliqué. On sait que le président Macron souhaite organiser un rendez-vous téléphonique en format Normandie, c'est-à-dire avec la chancelière Merkel, les présidents russes et ukrainiens, qu'elle n'a pas eu lieu, que la partie russe estime que les conditions ne sont pas réunies, qu'il n'y a pas la matière. Et si des progrès sont possibles et souhaitables sur ce dossier, ils se feront de façon peu spectaculaire et moins rapide.